Alors maintenant que nous allons embarquer dans cette grande tournée des fermes canadiennes, c'est important de reconnaître que nous sommes sur les territoires des personnes autochtones et nous reconnaissons et honorons donc la présence de ces diverses communautés autochtones au Canada, les Premières Nations, les Inuits, les Métis. Nous avons donc voulu souligner cette connexion profonde que nous avons vis-à-vis des peuples autochtones, de nos terres, de nos cours d'eau. Et nous voulons bien sûr honorer et respecter ces territoires pour l'avenir. Et nous reconnaissons que le fait de reconnaître ces territoires traditionnels est quelque chose de très important. C'est une petite étape vers la réconciliation. Et donc, nous voulons reconnaître encore une fois ces territoires. Nous encourageons toutes les personnes qui vivent sur leur territoire respectif de bien vouloir aussi vérifier quels sont les territoires sur lesquels ils vivent et quels sont les peuples autochtones auxquels ils appartenaient. Alors, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette grande tournée des fermes canadiennes. On est tellement contents que tout le monde se joigne à nous partout à travers le Canada. Je m'appelle Mercedes et je vais être donc votre MC, votre maître de cérémonie et on voulait vous faire quelques petits rappels. Ceux qui veulent nous écouter en français, eh bien, vous pouvez utiliser donc l'application Interprefy que vous avez donc dans le chat, dans le clavardage. Et on aimerait aussi rappeler à tous qu'il s'agit donc d'un événement éducatif. Donc, on ne tolérera pas les comportements inacceptables, les pourriels ou les spams, etc. Alors, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, bien sûr, dans le clavardage, dans le chat. Et on va essayer de répondre à autant de questions que possible. Finalement, on voudrait savoir d'où est-ce que vous vous joignez à nous. Donc, vous pouvez écrire dans le chat, dans le clavardage, quel est votre lieu, d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous vous joignez à nous, votre école et le territoire sur lequel vous vous trouvez. Alors, on aimerait aussi, bien sûr, souhaiter la bienvenue à notre hôte. Allô? Allô, ça fait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Alors maintenant, on va commencer. On va reconnaître certaines écoles qui sont ici avec nous, tout d'abord. On va faire cela en vous permettant, à vous deux, de reconnaître aussi certaines écoles aussi. Tout d'abord, on aimerait dire bonjour à la classe de Madame Sturgis. Donc, je suis Memorial Williams. Ils ont une école à leur nom, donc nous sommes ravis de les accueillir dans le district, ici l'école des garçons. Tout le monde qui a pu venir ici dans notre tournée des fermes, eh bien vous serez les bienvenus. Donc soyez les bienvenus tout le monde. Fantastique, merci beaucoup. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais quitter ce stream et je vais laisser la parole à d'autres collègues qui vont, eh bien, vous dire des choses intéressantes et importantes par rapport aux alpagas. Donc, je vais dire à tout de suite, à tantôt. Merci de vous joindre à nous. On a donc, nous, une ferme de alpagas. Les alpagas sont des animaux super le fun. Ils sont très curieux. Chacun d'entre eux a un nom, comme tous les animaux de compagnie. C'est comme ça que nous opérons, nous les gérons. Et c'est super. Ils ont quel âge, les alpagas? Donc, nous avons ils ont les alpagas vivent de 15 à 20 ans. Nous en avons, la plupart d'entre eux sont âgés de 17 ans. Et tous les alpagas que nous avons ici, la plus vieille était âgée de 24 ans, la plus vieille est décédée l'année dernière, mais elle a eu une vie très longue, 24 ans donc. Donc, les alpagas appartiennent à la famille des camélidés. C'est comme les chameaux. Laquelle nous voulons parler des alpagas, c'est que chaque année, les alpagas ne muent pas, ils ne perdent pas leur poil et nous voulons donc nous assurer que nous pouvons les brosser et récupérer leur poil. Donc, vous voyez ici, nous avons une table qui permet de récupérer leur poil pour les brosser. Et vous voyez ici, nous pouvons donc récupérer leur poil. Donc, nous pourrons les tondre. Vous pouvez prendre une photo. Voilà, regardez cette photo. Voilà.
uniquement sur la table de tonte, donc pour pouvoir les tondre, nous avons différentes tondeuses, comme celles que vous utilisez pour couper vos cheveux. Eh bien, nous les utilisons pour enlever donc leurs poils, toutes leurs fourrures. Et vous avez ici donc différentes sections en fonction de l'endroit où nous tondons. Voici c'est la partie blanket en anglais, donc couverture. C'est la partie qui va nous aider justement à créer différents produits. Nous en reparlerons tout à l'heure. Ici, nous avons ici ces ciseaux à tondre. Et encore une fois, vous allez pouvoir voir certaines photos que nous allons vous montrer. Et quelles sont les autres choses que vous faites avec les alpagas quand ils sont sur la table? Alors, chaque fois, on veut essayer de réduire leur temps de tonte. Donc, nous avons quelques aiguilles que nous utilisons pour pouvoir donc les vacciner avec l'aide d'un vétérinaire. Et nous avons beaucoup de cerfs également ici autour. Donc, en fait, ce que nous faisons aussi, c'est que nos alpagas n'ont pas de dents supérieures. Donc, leurs dents inférieures poussent très vite. Et si ce que nous devons faire, donc, nous devons réduire la pousse de ces dents, dont nous avons des procédures spéciales. C'est vraiment important que nous puissions maintenir les alpagas en pleine condition de santé afin qu'ils puissent donc bien manger de l'herbe et bien s'alimenter. Donc nous allons vous montrer une photo de nos alpagas avant qu'ils soient tondus. Voilà un petit peu ce que vous voyez maintenant ici derrière nous. Terry and Pat, on a une petite question avant de poursuivre. Alors, c'est une question... Lilias qui nous demande ça. Et qu'est-ce que les alpagas aiment manger? Alors, donnez-moi une petite seconde et je vais vous montrer exactement ce qu'ils font. On va devoir inverser notre caméra. Voilà. Donc, ici, les alpagas, comme vous pouvez le voir ici, ils adorent manger du foin. Et nous n'avons pas d'herbe fraîche encore. Donc, autre chose qu'ils aiment manger, je vais vous le montrer. Nous leur donnons des petits granulés également à mélanger donc avec leur alimentation en foin. Quelques petites granules. Et donc très souvent, ils mangent directement dans nos mains, donc c'est très amusant de leur donner ces petites granules. Et donc, on dit tous bonjour. Les alpagas sont super curieux. Donc, ils veulent voir ce qu'on fait. Donc, il y a plusieurs différents types d'alpagas. Différents types d'alpagas. C'est le Kalea, que nous appelons ici. Marat, il faudra vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est Alkaya et ça, c'est Surrey. C'est les deux types d'alpaca. Vous avez pu voir la différence. Il y en a un dont le poil est beaucoup plus rebondi, plus épais. Et donc, en fait, ces types d'alpaca composent 8% de toute la population d'alpaca. Alors, d'autres choses super intéressantes qu'on peut faire avec les poils d'alpaca, ce sont des bas, des mitaines. On peut faire des tuques. Moi, j'en porte une maintenant, une tuque d'alpaga. Il y a aussi d'autres types de mitaines qu'on peut faire. Est-ce que vous pensez qu'on a des alpacas bleus ou roses? Non, on teint le fil pour pouvoir faire des alpagas, produits de poils d'alpaga. Et on peut aussi faire des foulards pour se garder bien au chaud. Et c'est beaucoup plus doux que la laine d'agneau. L'avantage de nos alpagas, c'est qu'ils sont hypoallergéniques.
C'est la raison pour laquelle nous avons racheté cette ferme. Donc, Mercedes, est-ce que vous avez vu la photo d'avant? Vous voyez maintenant à quoi il ressemble? Bonjour à tous. Donc, on a un tout petit pépin technique. Notre hôte a malheureusement donc laissé le stream. On va juste quitter le stream. On va juste attendre qu'il revienne. On va revoir notre hôte en ligne dans quelques instants. Merci de votre patience. Alors, pendant qu'on attend que notre hôte revienne en ligne, on a encore quelques petits pépins techniques. Et donc, on va maintenant vous demander de préparer vos cahiers d'activités. Et on va vous demander donc de travailler sur ces activités pendant qu'on attend notre hôte. Et on est désolé pour ce petit pépin technique. Alors, nous sommes de retour et nous avons Terry et Pat qui sont de retour avec nous. Désolée de nous avoir perdus pour ces quelques instants. On a pris notre petite pause, remue-ménage. Alors, on vous attendait de retour en ligne. Alors, ça fait plaisir de vous revoir et de vous revoir parmi nous. Alors, c'est peut-être une bonne occasion de peut-être répondre à quelques questions. Donc, et on reviendra à votre sujet dont vous parliez tout à l'heure. On ne sait plus où est-ce que on vous a perdu, de quoi nous étions en train de parler. On vous a perdu quand vous étiez en train de parler des différentes fibres et tous les produits qu'on peut faire à partir de la laine d'alpaga. Bon, alors, on a quelques questions. Alors, la classe de Miss Bankle aimerait savoir combien de temps ça prend pour que la laine repousse. Ça prend un an. On les tond une fois par an, puisqu'on ne les tond pas plus, puisqu'on a besoin vraiment qu'ils aient une belle fourrure juste avant l'hiver. C'est une excellente question. Merci, la classe de Miss Bangkok, pour avoir posé cette question. Et nous avons une autre question maintenant qui est très spécifique. Est-ce qu'il faut donc laver les alpagas? Est-ce qu'il faut leur faire prendre un bain? Non. Ce qu'on fait l'été, quand il fait très chaud, eh bien, on leur organise, on leur arrange une petite piscine, une minuscule petite piscine pour qu'ils puissent se rafraîchir. On les lave avec une brosse spéciale pour qu'ils puissent respirer à travers leur grosse épaisse fourrure. Oh, ça doit être le fun, ça.
Et avant de vous perdre, justement, vous étiez en train de parler du fait que la laine d'alpaga est hypoallergène. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction allergique, comme d'autres types de laine qui peuvent provoquer des irritations. Mais ici, l'alpaga, c'est mon fils. Moi, avant, je souffrais d'asthme, mais je n'ai pas d'asthme lorsque je suis avec les alpagas. Donc, c'est vraiment de cela qu'on parle, le fait qu'il n'y ait pas de réaction allergique. On n'a pas vu à quoi il ressemblait après la tonte. On aimerait voir cette photo de avant-après qui se soit fait tondre. Oui, on va vous montrer ça dans quelques instants. Et pendant que vous parliez, juste un petit rappel pour vous dire que c'est important de tenir vos microphones, s'il vous plaît, près de la bouche pour que tout le monde puisse vous entendre. Ici, on vous fait visiter un petit peu. Alors, nous avons séparé les mâles des femelles. Nous avons séparé les garçons des filles. Les femelles peuvent être enceintes, avoir des petits. Et souvent, elles donnent naissance, elles mettent bas en été. Donc, ça va être. Nous allons voir ici un petit alpaga qui a 1 an, et le bébé alpaga s'appelle ici une cría. L'interprète s'excuse, nous ne recevons plus de son. L'interprétation reprend. Donc les fibres qui viennent ici de la toute première année. Vous voyez, c'est un petit peu comme du velcro. Mais à partir de là, vous pouvez voir aussi qu'ils sont complètement propres et très très longs. Alors, je vais même lui donner un petit bisou, un petit bec. Terry and Pat, j'ai encore une autre question pour vous de la part de Nicole maintenant. Combien de bébés est-ce que les alpacas ont maintenant? Combien est-ce qu'il y a de bébés? Nous avons cinq criages qu'on appelle donc cinq bébés, cinq petits alpacas. Et sur la ferme, nous avons aussi quelques lamas. Et il y a beaucoup de monde qui pense que les lamas et les alpagas sont la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Ils font partie de la famille des camélidés, mais il y a beaucoup de différences entre les deux. On va aller voir les lamas et vous allez pouvoir voir la différence. On voit les lamas. Ah, super! Et pendant que vous vous approchez pour voir Delilah, il y a une autre question. Eleanor, qui aimerait savoir quand est-ce que les alpagas ont leur bébé et combien de temps dure leur gestation. Ah, ils adorent les pommes, comme vous pouvez le voir. C'est une excellente question. Alors, les femelles sont gravides pendant 11 mois et demi, de 11 mois et demi jusqu'à 12 mois. Donc, ça, c'est leur période de gestation. Et normalement, les bébés naissent au printemps ou à l'été. Alors ici, vous pouvez voir Delilah. Ses oreilles sont beaucoup plus longues. C'est la brune. Vous pouvez voir que c'est un lama. Ses oreilles sont beaucoup plus longues que les alpagas. Elle est plus grande que les alpagas. Elle est aussi plus forte. Elle est un petit peu la gardienne sur la ferme. Les alpagas sont des proies. Et lorsqu'un prédateur vient, ce sont par exemple les ours ou les coyotes qui sont les prédateurs des alpagas. Donc, si imaginons qu'un coyote essaie d'entrer sur la ferme, eh bien, c'est le lama qui va défendre les alpagas. Mercedes, je ne sais pas, est-ce que peut-être tu veux montrer la photo de l'alpaga et du lama pour qu'on puisse voir la différence? Donc, vous les voyez un à côté de l'autre, l'alpaga et le lama.
Alors, pendant que vous montrez cette photo, je vais parler du crachat et du crachage. Alors, oui, les alpagas ont la mauvaise réputation de cracher. Ils crachent. Ils ne crachent pas au hasard. Ils crachent un peu par moyen de défense. Quand ils ont peur, ils crachent pour essayer, par exemple, de dire à quelqu'un, Ah, oh, tu me fais peur, ne t'approche pas. Puisqu'ils ne peuvent pas parler, ils crachent. Et regardez, ici, c'est recouvert de chocolat. Non, non, je plaisante. C'est leur caca. Mais vous pouvez voir ici qu'ils ont vraiment de la place. Et nous rassemblons tout ici à ce point-là. Et ce qui est fantastique, c'est que nous pouvons récupérer ces excréments pour pouvoir par la suite fertiliser les champs. Utiliser donc les excréments comme engrais. Mercedes, est-ce que vous avez trouvé cette photo? Est-ce que vous nous entendez? Oui, absolument. Nous avons donc affiché cette photo. Ah, oh, désolé. Ah, oh, c'est là. OK. C'est une excellente photo. Et vous pouvez voir effectivement la différence, certaines différences donc entre le lama et l'alpaga. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu au micro. Souvent, on nous pose la question, quel est le bruit que fait l'alpaga? L'un des bruits que l'alpaga fait, c'est comme une espèce de Donc, on entend ça souvent quand les bébés sont à côté de leur maman. C'est comme ça qu'ils communiquent. Je ne sais pas, Mercedes, peut-être. Est-ce que vous pouvez peut-être nous montrer la vidéo où on entend le bruit de l'alpaga? Merci. L'autre bruit que font les alpagas, c'est une espèce d'appel d'alarme. Quand ils voient quelque chose au loin ou qu'ils entendent quelque chose qui les surprend, ils vont faire un bruit pour alerter tous les autres alpagas d'un éventuel danger. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'alarme des alpagas. Donc, c'est un bruit bizarre. On ne l'entend pas souvent ici, mais parfois ça arrive qu'il fasse ce bruit. Ah, Terry et Pat, j'ai l'impression que c'est le moment idéal pour une autre question. Alors, à quel point est-ce que leurs dents sont-ils effilées ou pointues? Ah, c'est une excellente question. Eh bien, ils ont juste des dents d'en bas, hein? Et ces dents d'en bas ne sont pas très aiguisées. Donc, ils ont des canines à l'arrière, des canines pour mâcher, mastiquer. Ces dents-là sont effectivement très effilées pour pouvoir donc mastiquer. Et il nous reste encore 5 minutes. Donc, on va essayer de prendre d'autres questions. Prochaine question qui vient de l'école à la maison Dussault. Alors, on sait que la laine d'agneau, eh bien, elle est chaude même lorsqu'elle est mouillée. Est-ce que c'est la même chose avec la laine d'alpaga? Tout à fait, c'est la même chose. C'est même 5 fois plus chaud que la laine de mouton. Et c'est un produit qui respire très bien et qui est très très doux. Imaginez-vous, vous embrassez comme ça, vous les caressez, et vous pouvez les caresser même toute la journée. Oui, je dirais que ça doit être une longue journée difficile d'être avec des alpagas. Alors, on a Megan Driver de Maple Creek qui pose la question suivante. Si ils sont dans la famille des chameaux, est-ce qu'ils peuvent passer beaucoup de temps sans eau, tout comme les chameaux? En fait, les alpagas ont besoin de boire de l'eau autant qu'ils le peuvent. Mais ils ne sont pas du tout
comme les chameaux. Nous devons vraiment leur fournir de l'eau potable et de l'eau fraîche le plus possible. Même en Amérique du Sud, d'où ils viennent, ils mastiquent beaucoup, beaucoup d'herbes, donc humides aussi. Fantastique. Alors, on peut prendre peut-être encore deux ou trois questions. Joanna Clark, qui nous pose la question suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les alpacas et à devenir éleveur d'alpagas? Alors, nous avons racheté cette ferme il y a 2 ans et demi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des animaux hypoallergéniques. Donc, moi, je suis allergique particulièrement aux chevaux, aux poils des chevaux. Donc, nous utilisons les alpagas uniquement pour leur laine. C'est difficile de concevoir qu'on pourrait les manger. Mais donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes tombés amoureux des alpagas, vraiment pour leur laine et pour leur qualité donc hypoallergénique. Fantastique. Et notre prochaine question, qui nous vient de Waylon, à quelle vitesse est-ce qu'ils peuvent courir? Il n'y a pas très longtemps, ils couraient, mais quand ils courent, généralement, c'est pour jouer. C'est une espèce de... On peut dire qu'ils trottent quand ils courent comme ça. Oui, c'est une espèce de trot, on va dire, d'alpaca qui court en bondissant. Eh bien, c'est super. OK. Donc, voilà, vous pouvez essayer de chercher ce mot dans le dictionnaire pour voir comment est-ce que les alpagas courent, n'est-ce pas? Tous les matins, ils sautillent un petit peu partout, oui. Et donc, une autre question, oui, quand on regarde Winnie the Pooh, qui court aussi. Comment est-ce que vous vous souvenez de tous les noms? Vous avez tellement d'alpagas dans votre ferme. Comment est-ce que vous pouvez retenir tous leurs noms? Et comment est-ce que vous pouvez les reconnaître? Comment est-ce que vous faites pour savoir quelqu'un des alpagas a besoin de quelque chose? Alors, les enseignants doivent se rappeler des dents de leurs élèves, et pour nous, c'est un petit peu la même chose. Même beaucoup, la plupart d'entre eux ont leurs petites étiquettes, leurs petites plaques. Ils ont aussi un petit aspect différent, l'expression de leur visage. Et si, par exemple, il y a un alpaga qui est malade ou qui se blesse, on peut, nous, voir ce qu'ils ont et informer les vétérinaires pour qu'ils viennent nous aider par la suite sur place. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. C'est une question excellente et c'est très intéressant de voir toutes les étapes que vous devez justement traverser pour essayer de les identifier, et le fait aussi qu'ils ont des personnalités tellement uniques, tellement spécifiques, et c'est important d'avoir aussi leur petite étiquette de nom pour que vous sachiez qui est qui. Alors, on va prendre une dernière question et ensuite on va poursuivre à certains mots de conclusion peut-être que vous voulez partager. Alors, cette dernière question nous vient de Avrilly. Quelle est votre anecdote la plus fun par rapport aux alpagas? Ah, il y a beaucoup d'anecdotes à raconter par rapport aux alpagas. Je pense que ce qui est le plus fun par rapport aux alpagas, c'est qu'ils ont juste des dents d'en bas, qu'ils n'ont pas de dents en haut. Moi, je les aime tellement, même que des fois en été, je vais faire une petite sieste avec eux. Oh, j'adore ça. Bon, alors c'est juste super de pouvoir passer du temps avec donc un animal tellement adorable. Et merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui, Terry et Pat. C'est le fun de passer du temps avec eux. Alors, juste maintenant pour notre conclusion, avant de terminer cette session, et vous donner le mot mystère de la journée, est-ce que vous voulez partager quelques conclusions avec tous les étudiants, tous les élèves ici à travers le Canada?
Peut-être des mots d'inspiration aussi pour les jeunes qui peut-être éventuellement, eh bien, aimeraient devenir eux aussi éleveurs d'alpagas. Nous, nous sommes venus ici, nous avons complètement changé de vie. Et c'est il y a à peine 2 ans et demi que nous sommes devenus des fermiers. Donc nous avions tous des métiers, des carrières différentes avant. Et nous avons vraiment décidé de franchir le pas, de franchir le cap et de sauter le pas pour pouvoir donc créer notre ferme, ou en tout cas continuer l'élevage des alpagas. Et c'est absolument fantastique. Je vous le recommande. Et ça n'a pas besoin de beaucoup, trop de connaissances. Mais je peux vous dire qu'une fois que vous y rentrez, eh bien, vous n'oubliez pas, vous ne pouvez pas vous débarrasser des alpagas. Oh, ben, j'ai entendu ça. Je sais que l'agriculture, c'est un style de vie, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir une exploitation aussi grande ou aussi petite que vous voulez. C'est un petit peu votre choix. Terry, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Je pense qu'il a tout dit. On n'avait aucune idée, on connaissait rien aux alpagas avant de se lancer dans cet élevage. Oh, ben c'est fantastique. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est vraiment super. C'est possible de devenir un éleveur d'alpagas et c'est super toute cette inspiration que vous avez partagée. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela avec nous. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir invités. Vous pouvez revenir quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Merci. Vous toutes et tous qui nous écoutez partout au Canada, bien, nous serions ravis de vous accueillir tous ici pour vous montrer exactement notre ferme plus en détail. Absolument. Alors, avant de clore cet épisode, j'aimerais remercier tout le monde et je vais partager le mot mystère de la journée, c'est des fermes, ou la phrase mystère, des fermes. Merci d'avoir participé, pardon, à ce premier épisode et j'aimerais remercier encore une fois Terry et Pat. Ça a été super. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de visites intéressantes au mois de mai. La prochaine visite aura lieu le 17 avril à 13 h, heure de l'Est. Merci beaucoup à tous pour vous être joints à nous. Et je suis sûre que beaucoup de questions encore vont parvenir à Terry et à Pat. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour voir exactement ce qui se passe ici à la ferme. Et vous allez pouvoir voir vraiment tout ce qui se passe ici, presque en direct. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre Terry et Pat sur Facebook et Instagram, pour suivre aussi le cycle de vie des alpagas. Et je partage aussi des informations ici à l'écran. Donc, je pense qu'on va maintenant se dire au revoir. Merci.